Très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler. On va lire les commentaires. Enfin, pas vous parler, mais on va lire les commentaires de la dernière vidéo qui s'appelle "Je dois vous parler sérieusement". Alors, j'ai fait la petite critique sur Chris et Shuri. C'est pour ça que je porte la même veste, mais on connaît la veste, hein, c'est la veste de Mesto, ça. Donc, du coup, on va lire vos commentaires. J'avais envie de faire ça en live, mais je le fais en vidéo. Je trouve ça assez sympathique aussi. Puis ça me permet aussi de faire une petite vidéo, ça, c'est cool. Donc voilà, on va lire vos commentaires et je vais vous répondre directement en vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, ça me ferait plaisir. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de commentaires sous cette vidéo, mais j'ai pas eu beaucoup de vues. J'ai eu 189 vues. Mais merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont pris le temps de mettre un petit commentaire. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo qui s'appelle la Mirai Theory, premier du nom, qui est sur Toyotaro nous a eu. N'hésitez pas à aller le checker, je mettrai le lien dans la description. Allez, c'est parti, du coup, let's go. Du coup, on va lire le côté Axel Elbanez. Désolé, je vais plus suivre la chaîne, t'inquiète pas frérot. Ok, je te mets un petit pouce bleu et merci à toi, ça fait grave plaisir. Bon, je te vois pas encore souvent. Mais merci à toi, ça fait plaisir de ton commentaire. Et merci pour les trois petits cœurs, je les prends ici. Alors du coup, on va l'appeler Anonymous. Salut, le problème c'est que je reçois pas de mes notifs YouTube. Du coup je suis là de temps en temps, ça fait chier. Joue à DBX2, mais pas à Fortnite s'il te plaît. Alors oui, alors je te mets un petit pouce bleu, n'hésite pas, hein. Voilà, je te mets même un petit cœur, y a pas de souci. Je comprends que YouTube n'envoie pas les notifs, mais faut bien activer la petite cloche et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, voilà un petit rototo au passage. Facebook, Twitter, Snapchat, même Discord, les liens sont tous dans la description, ça ferait plaisir. Et voilà. Allez, avec une réponse de Anzo Barro qui met « Je suis ok avec toi ». Alors oui, alors juste là, il y a le personnage, c'est moi en version Dragon Ball. C'est Mehdi qui me l'a fait, donc merci à Mehdi. N'hésite pas à te manifester dans l'espace commentaire, ça me ferait plaisir frérot. C'est Mehdi qui l'a fait, donc mettez hashtag merci Mehdi pour ce personnage. Je le mettrai souvent dans les miniatures de vidéos parce que je le trouve méga stylé. Bref, du coup, on continue. Alors, Aisai Sasoka qui met désolé frérot, t'inquiète pas, je comprends que si c'est pas toi qui a le temps, y a pas de souci. Kira qui m'a mis, ok, bon, je te mets le petit pouce bleu quand même, Kira, on... Et le petit cœur quand même, hein. On n'oublie pas. Ok, donc Akashi. Akashi qui date un petit peu, hein, qui est vraiment là depuis pas, vraiment longtemps sur la chaîne YouTube. Je ferai ça avec lui, il est très intéressant pour moi et j'attendais un commentaire de lui surtout. Donc c'est bien d'en faire la remarque, t'as raison, mais moi je suis pas toujours présent, mais en fait ça ne me convient à personne, la plupart préfèrent du Naruto, d'autres MHA ou du Xenoverse. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Akashi, hein, y en a beaucoup qui sont pas... qui sont beaucoup diversifiés, qui préfèrent mieux cela, par exemple du Naruto, du Dragon Ball ou du One Piece ou des trucs comme ça. Mais c'est ce que tu demandes est impossible puisque personne n'aura le même goût, tu devrais le savoir après. J'avoue que tes vidéos sont intéressantes jusqu'à acheter des jeux demandés par tes abos. Franchement, je te respecte et je te comprends, mais que veux-tu y faire? Bah, tout simplement, bah, je comprends, merci à toi, je sais que tu trouves que je suis quelqu'un de bah, d'exceptionnel, on va dire ça comme ça, mais tu trouves que j'ai un courage de faire ça. Merci de me respecter, c'est déjà sympa. et oui, bah après, qu'est-ce que je peux y faire? Bah vous mettez, vous passez, même si vous aimez pas, vous passez, vous mettez un pouce bleu et vous partagez. Voilà, parce que c'est quand même votre youtubeur qui le fait, tout simplement. Après, c'est ma façon que je le fais moi. Après, vous le faites comme vous le sentez. Voilà. Tu ne peux rien y changer, c'est bien d'en parler, mais malgré cet article bidon qu'ils ont sorti, ça ne te tient pas la route, bref. Et en leur proposant tout, ils n'auront pas le même choix, tu as dû voir cela, sinon très peu vont regarder ce qui les intéresse, moins, et beaucoup vont regarder ce qui les intéresse, et d'autres vont regarder ce qui les intéresse moins, mais du moins, ils iraient regarder comme moi, donc ne jette pas toujours la faute sur toi, car la faute est sur ces personnes qui vont... qui ont un favoritisme bizarre, donc arrête de te sentir coupable car on n'a rien à te reprocher vu que tu es à l'écoute de tes abos quand ils te disent ce qu'ils veulent, mais tous n'auront pas le même choix, sache-le. Bien, merci Akashi, j'attendais vraiment un commentaire de toi parce que je trouvais que tu étais là depuis vraiment un long moment, puis tu me suis depuis un long moment et je trouve merci beaucoup, je trouve ça super gentil de toi de m'avoir mis ce petit commentaire comme ça. Je trouve que merci que me dire que c'est pas ma faute. Après c'est un petit peu de ma faute aussi, hein. Et puis oui, je sais qu'il n'y aura pas tout le monde qui auront les mêmes goûts,
Mais bon, merci à toi quand même pour ce commentaire que j'ai vraiment apprécié. Tu mérites vraiment. T'es le seul qui a pas eu un pouce bleu, mais je te mets un pouce bleu et le cœur parce que c'est vraiment toi que j'attendais le plus. Au niveau, t'es un des seuls que j'attendais vraiment un gros commentaire comme ça. Et merci, tu me fais plaisir, frère. L'Oasis au manga qui me tu fais de ton mieux. Ouais, je pourrais faire plus, hein. Je pourrais faire encore plus. J'essaie vraiment de faire le mieux possible, mais je pourrais, je pense, encore un peu faire plus. Mais bon, j'essaie vraiment. N2O Fairy Tail qui me dit si tu peux faire un peu plus de Fairy Tail, frérot, ça serait bien. Alors, Fairy Tail, en fait, Fairy Tail, le problème de Fairy Tail, c'est que c'est très complexe, faut s'y mettre vraiment longtemps. Et pour les tutos, je pourrais faire les tutos comment bien monter son équipe, comment bien monter ses personnages. Je pense que je la ferai cette vidéo, mais elle ne sera pas dispo tout de suite parce que tout simplement je n'ai pas le temps, comme je veux dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent par beaucoup de vidéos Fairy Tail parce que je suis très. Les beaucoup de vues aussi sont sur les vidéos Fairy Tail, c'est quand même beaucoup. Je sais que vous adorez ça. Mais on fait avec et je vais essayer de vous proposer un peu plus de Fairy Tail, promis. J'essaierai vraiment de faire des lives Fairy Tail de temps en temps. Et j'attends vraiment Fairy Tail Death Magic pour vraiment vous faire plaisir pour du Fairy Tail parce que j'attends vraiment ce jeu de Bandai Namco qui est super sympa. Donc je te mets un petit. Non, pas un pouce rouge, un pouce bleu, t'es fou toi. Et un petit cœur, bien évidemment. Bat qui a un. Qui date un petit peu, hein, ouais. Batonor qui me fait. En fait, je vais te dire la vérité, tu devrais arrêter les vidéos et faire que les lives ou alors tu fais une vidéo par mois, mais je te suivrai encore. Ah, d'accord, donc. Il me dit en vrai, je devrais arrêter les vidéos. Alors, et continuer et faire que les lives. Pourquoi ? Pourquoi je ne fais pas que les lives ? Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, tout simplement que moi, les lives, j'adore ça. J'adore parler avec vous, j'adore vous parler en direct et tout. Je trouve ça super intéressant d'interagir directement avec vous. Mais je trouve que les vidéos, c'est un petit charme un peu plus. C'est qu'on voit qu'il y a la patte dessous du youtubeur inscrite dedans. Le live, c'est pareil. Mais les vidéos, c'est impactant. Je trouve que tu peux toujours la voir tout le temps. Alors que les lives, tu vas pas suivre tout le temps 3 heures de live de suite. Voilà, c'était un petit peu mon petit truc que j'avais à dire. Vas-y, fais un live vocal avec tes abos. Katsuya qui avait déjà prévu. C'est pour ça que j'avais vu ton commentaire déjà. Merci à toi Katsuya, tu fais plaisir. Un des mecs qui me suit depuis un long moment aussi, Katsuya, merci à toi de me suivre encore et d'avoir répondu à ma requête en proposant un commentaire. Donc je t'ai mis un petit pouce bleu et un petit cœur. J'aime bien vous mettre des cœurs, je trouve que c'est assez intéressant. Je trouve que pour tous ceux qui font ça. Social Justice Warrior qui dit de toute façon ta chaîne va disparaître à cause de l'article 13. Oui et non. Oui et non. Donc toi, à la rigueur, pas de pouce bleu, je suis désolé parce que ouais, ma chaîne va disparaître, mais peut-être, on sait pas. Alors, désolé, mais moi je regarde que tes vidéos DB Légende. Alors, FR Flow, je te mets quand même un pouce bleu et un cœur parce que tu dis franchement ce que tu penses, mais pourquoi? Pourquoi tu regardes que Légende? Parce que tu préfères mieux me voir que sur Légende, parce que faut regarder les autres vidéos, ça permet aussi de t'ouvrir à autre chose. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire par rapport à ce commentaire là. PN, on est. Doken Battle, merci pour ton commentaire. On est avec toi. Je pense qu'on est avec toi, frérot. Il a voulu mettre. Oh, mais il a pas trouvé. Merci, ça fait plaisir, Doken Battle. Mais toi, je sais que t'es souvent sur les vidéos Doken et que t'es pas sur les autres vidéos. Voilà. Flodari. Mec, normal qu'on est moins actif. Il y a les cours, tout, et ça. Et certains préparent leur examen et tout. Sinon, t'inquiète pas. Toujours vivre. Merci Flodari. Je sais qu'il y a les cours. Je sais qu'il y a les cours. Mais moi, quand je vais vous dire un truc. Moi, j'ai les cours. J'ai eu les cours en même temps que je faisais du YouTube. J'ai fait les cours et le soir, je faisais mes vidéos ou mes lives. Je faisais ça. Hein, je jonglais avec les deux. Donc, j'y arrivais. Donc, regarder une vidéo de 10 minutes, ça va pas te prendre 40 ans. Voilà. Alors que quand tu regardes Fixadri, Susucre et tous les gens qui en sortent 2-3 par jour, les gens, au bout d'un moment, vous faites 30 minutes de vidéo pour eux. Alors que moi, je vous propose une vidéo soit de 4 minutes, soit de 5 minutes. Et eux, ils font des vidéos de souvent de 10 minutes, c'est pour gagner plus de sous. Hein. Moi, je fais des vidéos de 5 minutes parce que je vois pas l'intérêt de faire une vidéo de 10 minutes et allonger le truc jusqu'à 10 minutes. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette phrase. Je suis désolé, j'ai beaucoup de cours, c'est pour ça que je peux pas te suivre. T'inquiète, Dark Game, mais t'es toujours là et t'es toujours dans le cœur, frérot, avec l'attaque des titans. Pour moi, le problème, c'est que tu n'arrives pas à. Alors, Shippuden, qui est un gars qui est souvent là, il fait plaisir, qu'il me met quand même un petit peu
il me dit vraiment ce qu'il pense, ça c'est cool. Pour le problème, c'est que tu n'arrives pas à animer tes vidéos et tes lives. Je te mets quand même des pouces bleus, mais bon, c'est pas folichon ce que tu fais. Essaye de travailler ça, c'est pour toi. Alors, dans quel sens tu dis que j'arrive pas à animer? Je parle tout le temps, j'essaie vraiment de vous faire animer dans les lives. Pourtant, je sais, vraiment, je fais beaucoup de choses. Je vous parle, je discute, donc je lance une conversation. Donc, n'hésite pas à me redire pourquoi tu me dis ça. Ça me ferait plaisir. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir pourquoi tu me dis vraiment ça comme ça. Voilà. Je te soutiens, puissance, bien évidemment. El Famoso Puissance, merci d'être passé. Tu fais plaisir. Anzo qui avait mis un autre commentaire. Du coup, je te prends pas la tête. Fais des vidéos que t'aimes. Il faut pas attendre après les autres. Merci, mais d'un autre côté, je veux faire les vidéos que j'aime. Mais si je fais pas les vidéos, si je fais les vidéos que j'aime, mais que je ça va pas avec ce que je veux, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc là, sur cette vidéo, vu que je vous parle en vidéo directement, je vais pas faire les commentaires. Je vais pas vous mettre les commentaires à côté. Mais voilà. Moi, c'est les notifications et les cours. Truc DBZ, ouais, alors je veux bien que les notifications ne marchent pas, mais justement, c'est ce que je vous dis, regardez tous les jours. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je suis Squeezie, moi, je suis Squeezie, je regarde tous les jours, s'il n'y a pas une nouvelle vidéo ou un autre truc et tout ça. Donc, voilà, c'est sur les youtubeurs que je regarde, n'hésitez pas, faites comme ça, et moi, c'est comme ça que j'arrive à voir toutes les vidéos, même si j'ai pas les notifications. T'inquiète, moi, à chaque vidéo, je la regarde, mais c'est un peu dur avec les cours. Vous êtes beaucoup à me dire que les cours, ça joue, alors que moi... Je travaille, j'ai le temps de regarder des vidéos, j'ai le temps de regarder les lives, j'ai le temps de regarder de ça, et j'ai le temps de faire mes propres vidéos. Et après, je dis que j'ai pas le temps, mais en vrai, j'ai vraiment pas le temps pour vous faire une grosse vidéo, pour vous faire vraiment pas mal de vidéos, parce que ça prend du temps. Et j'ai envie de profiter un petit peu aussi de ma femme, Milsa, donc Mestonette, et j'ai envie de profiter un petit peu de ma famille, faire autre chose, parce que j'ai pas le permis actuellement, du coup, je suis un peu dans le. Dans l'optique d'un peu avoir ça pour par exemple aller à la PGW, pour vous rencontrer, tout ça. Je suis dans de moins en moins là, bah JP, toi je sais pourquoi t'es pas là, t'as le basket. Plus le basket, j'ai plus beaucoup de temps libre, du coup, bah pour les lives je suis jamais là, mais toi je sais pourquoi t'es pas là, donc t'inquiète pas. T'inquiète, je sais. Gros t'inquiète, on sera toujours là pour toi, Mirai Family en force. Alors Sharingan qui est le premier sponsor de la chaîne, qui fait vraiment plaisir, merci à toi Sharingan d'avoir mis... T'inquiète, je te mets un gros fab. Je te mets merci à toi. Je te mets merci à toi. Poto, tu fais grave plaisir. Voilà, je mets juste un petit commentaire vraiment parce que tu gères la fougère. Alors, Jody qui fait t'inquiète, je serai toujours là. Merci Jody, tu fais plaisir. Hello, bon bah toi, courage. Merci Wolf qui a remis une deuxième commentaire. Pandou, t'inquiète frère, je serai toujours là. Merci frérot. Alors voilà, j'ai lu à peu près tous les commentaires, je pense. Alors la vidéo, je sais pas combien elle dure 13 minutes. Donc voilà, vous avez vu encore le gros truc, mais voilà. En gros, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que vous êtes beaucoup à pas mettre de commentaires, mais quand je vous dis de vous en mettre, c'est là où ça me fait vraiment plaisir, c'est que voilà. Je pourrais même vous montrer les analytiques, hein. Regardez, hop, analytiques. Je peux même vous prouver que ça descend, hein. Regardez, hop, voilà. Tout ce que vous voyez en flèche rouge, ça veut dire que ça descend. Même mes revenus, hein, je gagne rien. Je gagne pas mes sous sur YouTube. Hein, ce qui vous montre, c'est de la merde. Je gagne rien, je gagne zéro. J'ai eu ma première paye à 70 euros, donc ça allait, mais voilà, hein, on va pas sauter de plus joie non plus. Ça fait quand même 70 euros en plus, mais c'est quand même pas mal. Mais après 4 ans de YouTube, donc voilà. En tout cas, merci pour tous ceux. Bon, là, il n'y a plus les cœurs, mais. Si je remets communauté, normalement les cœurs seront là, tac tac tac, voilà, je dois vous parler, normalement les cœurs seront là, voilà. Donc merci à tous ceux qui ont mis un commentaire, vous me faites grave plaisir, merci à votre franchise pour tous ceux qui ont mis une franchise honnête, je sais pas quoi mettre comme musique de fond, mais bon voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager vraiment sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien louper, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui est sur le premier épisode de Mirai Theory. Le lien sera dans la description également. Donc, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.